Tu as failli rater ton entrée sur Terre. Galère. T'échappes par miracle à une faiseuse d'anges. Vie d'ange. Tu t'imposes en poussant ton premier cri le 2 avril 1928 à Paris. Souris. Stop avec les jeux de mots. Qui es-tu, Serge ? Elle est à toi, cette chanson. Toi, l'immigré qui, sans façon, nous a donné plusieurs chansons et aussi tellement d'émotions. Bref. Paraît qu'à 6 ans, timide papa au piano. Piano bar, n'est-ce pas ? Mais Gershwin, quand même. À 10 ans, tu grilles tes premières cibiches. C'est beaucoup trop tôt, même si Dieu est un fumeur de Havane. Tu vis les vacances à la mer et ton premier amour, Béatrice. Ta première provoque, être le premier à porter l'étoile jaune. Souviens-toi, Oradour-sur-Glane, tu es passé à 6 km de la mort. Ado, handicapé de l'amour, tu restes prisonnier de ta laideur. Nous, on l'aimait, ta gueule, Serge. Ton destin, tu seras peintre ou musicien, 400 toiles quand même. Tu brûles tout, sauf ton autoportrait, resté chez ta sœur Jacqueline. Alors tu seras musicien. La chanson de Boris Vian, Le Déserteur, sera le déclic en 1958. Tu choisis l'art mineur. Je ne suis pas d'accord, Léon, facile. En même temps, tu apprends l'alcool à l'armée. Et tu philosophes. Est-ce un remède contre quelque chose ? Tu sauras tout. Auteur, compositeur, interprète, confiais-tu à Yves Montand. À bientôt 30 ans, tu deviens Franck Coda. Pseudo pas au top pour débuter une carrière. Musset, Hugo, Nerval, Baudelaire sont tes potes. Tu as 35 ans. Tu te sens vieux, mais tu travailles vite et bien. Tu écris pour les plus belles. Bardot, Birkin, Deneuve, Adjani, France et encore Jane qui te donne une petite Charlotte en 1971. 73, année infarctus. Peu importe, tu continues à vivre comme avant. Tu transformes notre hymne national en reggae. Osé. 1980, tu publies ton unique roman, Evgeny Sokolov. Tu as 52 ans. Prout, prout. Et tu perds Jane, la femme de toutes tes vies. Et oui, ce sont ceux qui larguent qui ont perdu parfois. Lucide, l'artiste. Comme Hemingway, tu dis « Les excès sont mon oxygène ». Tu deviens alors un paradoxe vivant. No comment. Après Natacha, Paul, Charlotte, tu abandonnes sur Terre un petit Lulu avant de nous quitter pour toujours le 2 mars 1991. Tes cendres n'iront pas à la mer, mais resteront à Paris, au cimetière Montparnasse. Et pour l'éternité, tu seras dérangé par les pleurs des gens au-dessus de ta tombe. C'est tout le malheur qu'on te souhaite, vieille canaille.